Laissez la porte de sa cellule ouverte. Il détalera en hâte. C'est le bon système. Votre bon système me semble fort dangereux. On ne peut plus irrégulier. Et susceptible de provoquer les pires répercussions. Exactement. À mon avis... La responsabilité que vous prendrez me paraît dangereuse. Quelle folie, monsieur Wilson. Avez-vous pensé... Mais laissons cette discussion. Bon Dieu, est-ce que vous avez la frousse? S'il y a des répercussions et si je fais une bêtise, eh bien c'est moi le responsable. Il faut laisser cet homme-là s'évader immédiatement. C'est notre unique chance. Rappelez-vous, parce qu'en le suivant, je pourrais peut-être parvenir à cette sale canaille, cet immonde type qu'il faut exécuter, tuer sans pitié, comme on abat un tigre. Tous les passagers débarquent ici. Tous les passagers débarquent ici. Ah, moi, je voyage pour ma santé. C'est vrai, je voyage pour ma santé. Préparez vos passeports, s'il vous plaît. Préparez vos passeports, s'il vous plaît. Moi, je voyage pour ma santé. Quelle sorte d'affaire vous amène dans ce pays, madame? Aucune affaire. Oh, pardon, vous me demandez ça dans quel sens? Vous venez ici dans quelle intention exacte, alors? Ah, je viens rejoindre mon mari. Dans ce cas, ça va, madame. Stéphane Polowski. Voilà qui est à surveiller. Dans quel but êtes-vous venu dans ce pays? Parce que je voyage. Comment? Les médecins m'ont ordonné de me distraire et de changer d'air. Quelle est votre nationalité, s'il vous plaît? Je suis polonais. Allez, suivez-le tout de suite. À la personne suivante. Au suivant. Que se passe-t-il? Je l'ignore. On m'a donné ordre de le suivre. Ah, bien. Hôtel National, donnez-moi la chambre 22. Allô? Oui. Vous suivez notre homme? Êtes-vous sûr du lieu où il se rend? Ma femme le suit, monsieur Wilson. Il se rend chez un photographe. Probable qu'il désire un autre passeport ou d'autres instructions. Vous y êtes? Il faut que je sache où habite Franz Kindler. Franz Kindler. Kindler est mort, je le sais. Mort et incinéré, il y a près d'un an. J'ai ordre de le voir, entendez-vous? J'apporte un message pour Franz Kindler, envoyé par Dieu l'Éternel. C'est que je ne puis parler. Tant pis, moi je vous oblige à le faire au nom de l'autorité. Vous connaissez le nom qu'il porte aujourd'hui? États-Unis. Et regardez ceci. Cette ville du Connecticut s'appelle Harper. Excusez-moi. Le sacré hôtelier m'a donné une chambre si petite qu'à chaque fois que je ferme la porte, le bouton de porte entre avec moi dans le lit. Vous savez, le contact d'un bouton de cul, c'est pour moi. Fais le chauffer dans le bouillon. Bonjour, monsieur. Ah oui, bonjour. Ça chaufferait pas longtemps. Vous avez fait bon voyage. Excellent, merci. Vous avez un gentil magasin ici, monsieur Potter. Je crois. C'est ça, Potter. Je vends des objets très variés ici. Ça a été une véritable course de taureau. Hier matin, j'ai été réveillé à 7 heures par des beuglements sur la petite place, devant ma fenêtre. Loue le Seigneur dans ton cœur, chante sa gloire dans tes cantiques, car l'Éternel a chanté sa clarté en toi. J'ai une course à faire. Est-ce que je pourrais laisser ça ici? Cette valise, mais allez-y. En tout cas, je n'assume aucune responsabilité. Mettez-la sur cette planche, comme ça, vous la retrouverez quand vous en aurez besoin. Je vais prendre ce magazine. Entendu, prenez, monsieur. Je voudrais un très bon hôtel. Il y en a un ici? Ah, ma foi, allez donc chez Mrs. Pimody. C'est juste à côté, derrière la place. C'est par ici, monsieur. Oui, entendu. Puis-je entrer, je vous prie? Entrez, monsieur. Est-ce que monsieur Charles Rankin habite ici? Oui, il vient de sortir à l'instant. Quand reviendra-t-il? Certainement bientôt. À quelle heure? Mettons dans 20 minutes. 20 minutes. Eh bien, puis-je attendre ici? Mais oui, très volontiers. Veuillez vous asseoir, alors. Merci. Êtes-vous un ami de monsieur Rankin? Oui, ta fille date. Je suis Mary Longstreet. Très heureuse. Très heureux aussi. Monsieur Rankin ne sort jamais très longtemps. Et parfois, il reste ici après sa dernière classe. Mais il va revenir très tôt aujourd'hui puisque nous nous marions ce soir. Vous allez épouser Charles? Oui, à 6 heures. Je le sais, je viole les conventions. Je ne devrais pas être ici aujourd'hui, mais j'ai voulu arranger tous ces rideaux. Et quand il revient, par où passe-t-il, dites-moi? Eh bien, évidemment, monsieur, il vient de Webster Hall. C'est le grand édifice que vous pourrez apercevoir d'ici. Alors j'y vais, adieu. Mais que lui dirais-je quand il... Franz! Hé, Franz! Meinike, qu'on ne vous voit pas là. Allez ailleurs, mon chien. Je vais vous rejoindre. Tenez, dans le bois. Vous entendez, bon sang? Vous entendez? J'y vais tout de suite. Bonjour, monsieur Rankin. Ah, eh bien, à quoi jouez-vous? Rallye pépère de grande classe. Parfait. J'organiserai les traces. Oh, allez, suivez Gérald, monsieur Rankin. Ce sera excellent pour maigrir. Ah non, venez donc avec nous, monsieur Rankin. Oui, où? Dans le bois. Oh, bonjour. Oh! Dans le bois? Vous êtes très gentils tous, mais je n'ai réellement pas le temps. Il faut que je fasse des quantités de choses. Vous nous rejoindrez, la partie se prolongera très tard. C'est ça. On vous rattrapera alors. Vous venez, les gars? Meinike. Oui, Meinike. Ah, j'ai cru que... J'étais pendu, c'est ça. Non, les autres. Moi non, regarde. Est-ce qu'un homme mort serait là, face à face avec toi, Franz? Il court comme une tortue, mon vieux. Tu as très peu changé. Très peu. Si tu remettais ton uniforme, on retrouverait vite l'ancien homme. Franz, certainement pas le même homme qu'avant. Ah, toi aussi. Car je suis vraiment très différent. Tu le sais, j'ai réussi à détruire en Pologne et en Allemagne tous les documents susceptibles de faire connaître un jour mon identité. Mais tu ne devinerais pas où je serais à 6 heures ce soir, hein? Je serais devant un ministre du culte avec la main d'une femme blanc la mienne, celle de la fille d'un illustre juge de la Cour suprême, connue comme femme libérale. J'ajoute que la fille est jolie, tu entends? Oui, Meinike, le camouflage est parfait. Tu vois quelqu'un au monde se douter que Franz Kindler a été sacré maître dans ce collège en vogue où l'on ne rencontre uniquement que des jeunes Américains de bonne famille? Non, personne, il serait caché. Jusqu'à la date où nous pourrons déclarer la guerre. Franz, tu veux en voir une nouvelle? Oui. Mais la guerre n'est qu'abomination, a dit le Seigneur. Écoute, si je suis ici, c'est afin de te le dire, car il m'a libéré, il m'a donné une mission de t'éclairer. Qui t'a donc libéré? C'est le Seigneur, c'est lui le Très-Haut. De qui parles-tu? Mais de Dieu. Franz, ce Christ a fait de moi un nouvel homme. Toi, Konrad, un cagot. Toutes les portes, Franz, toutes se sont ouvertes devant moi. C'est Dieu qui a fait là un nouveau miracle. Espèce d'idiot. Ils t'ont fait filer. Dans le but de pouvoir te suivre ici. T'as sûrement suivi. Oui. Mais qui donc? C'était Belzébuth. Il se cachait d'être le diable et il était vêtu de la même façon que toi et moi. Il fumait sa pipe. Mais je l'ai reconnu aussitôt bien qu'il soit déguisé. J'ai cassé son horrible face en la frappant avec force. Il est mort maintenant. As-tu réellement tué ce fumeur de pipe? L'homme qui te suivait partout? Quelqu'un d'autre t'a suivi à vous? La lumière vient maintenant vers toi, Franz. Confesse à Dieu tes actes criminels. Et puis repens-toi, car ton salut éternel est à ce prix seul. Tu crois à ces trucs? Il te faudra du courage. Oui. Un courage tel que le ciel seul peut le provoquer. Alors viens près de moi. À genoux devant lui, prions ensemble qu'il t'envoie le courage. J'ai offensé le ciel et j'ai quitté ses voies. Épargne-moi, Seigneur, car mes yeux se sont ouverts et ils t'ont reconnu. Mais il faut le temps d'abaisser mon front. Tu es désespéré de ton pardon. Tu es désespéré de ton pardon. Oh Dieu de toute indulgence, jette un regard à ton fils et fais-lui miséricorde. Toute indulgence. Ça y est, je l'ai trouvé. J'ai trouvé la piste. Dans le Christ, nous sommes réunis ici sous le regard de Dieu afin de joindre par les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme. Consentez-vous à oublier toutes les autres femmes et à lui être fidèle aussi longtemps que vous vivrez l'un et l'autre? Oui. Mary, consentez-vous à prendre cet homme pour époux, pour vivre avec lui selon la loi de Dieu, dans les liens sacrés du mariage? Consentez-vous à l'aimer, à le réconforter, à l'honorer, à être unis à lui dans le meilleur et dans le pire, à le garder malade ou bien portant? Consentez-vous à oublier tous les autres hommes et à lui être fidèle aussi longtemps que vous vivrez l'un et l'autre? Oui. Ça va ce soir? Ma foi, oui, très bien. Le mariage? Oui. Le juge Longstreet a casé sa fille. Ah, c'est un homme éminent, ce juge-là, dit-on. Je peux avoir un flacon d'aspirine? Là-bas, le troisième rayon en partant d'en haut. Vous verrez à gauche les grands flacons. C'est le format économique. Ah, il faut servir tout seul ici, monsieur. Là, par derrière. La maison possède tout ce dont on peut avoir besoin. Regardez les étagères et servez-vous. Vous brûlez, vous brûlez. Ça y est, vous l'avez trouvé. Alors, installé chez Mrs. Pimody, juste pour quelques jours. Et du café, je peux en avoir? Est-ce qu'on exige que je me serve? On fait comme chez soi ici, puis on paye après. C'est ça, ça simplifie le service. Celui du garçon, mais pas celui des clients. Ah, alors, ça fait 3 $, tout rond. Nous limitons la crème? Les vrais amateurs préfèrent tous le café noir. Le robinet à droite. Merci. Miss Longstreet se marie avec qui? Avec un garçon qui donne des cours à l'école. Un étranger, d'ailleurs. J'ai délivré l'autorisation de mariage. Ah. Oui, puisque je suis secrétaire de mairie. Ah. Dites donc. Une partie de dame? Ouais. Être secrétaire... Quoi? Eh bien, moi, ça me paraît une sacrée responsabilité. Oh, c'est sûr. Sachez bien que j'ai le contrôle de la ville entière. Charge. Nous jouons d'habitude à 20 cents, ou même 25. Tenez. On a même fait, lundi dernier, 3 belles parties à 30. Ah, ça, ce serait trop cher pour moi. Malgré ça, j'aimerais perdre ou gagner 1 million. Ah, ça non, moi je suis un sage. À moi, je pense. Mmh. Oui, allez-y. Ah, vous devez sans doute connaître à peu près tous les gens d'ici. Vous dites tous et pas à peu près tous. Qu'est-ce qui vous attire ici? Nous. Vous êtes professeur? Non. Alors, commerçant? Non. Non. Je vais deviner. Antiquaire, ça y est. Les antiquaires viennent tous à Harper. Le juge Longstreet les attire par sa collection qui est splendide, mais comme il ne veut pas la vendre... Oh oui, je comprends qu'il la garde. Il ne serait pas arrivé d'autres antiquaires dans la ville, par hasard? Ça, je sais pas. J'y pense. Le type qui est arrivé ici ce matin peut l'être. Le type qui était dans le même quart que vous. Oui. Sa valise est restée là, il ne l'a pas reprise, ça m'a épaté. Ah, tiens. Bon, c'est un bric-à-brac, sans doute. Non. Il avait l'air d'une sorte de missionnaire, ce type-là. Pendant un temps fou, il a feuilleté notre annuaire du téléphone. Mon Dieu, c'était un homme petit et maigrelet, et à l'air malchanceux et triste. Et que vous êtes-vous fait à la tête? Un coup, ça n'est rien de sérieux. Oh, c'est dommage. Aux dames, il faut toujours suivre bien son jeu. Et vous avez perdu, monsieur. Ah, vous savez, c'est tellement surprenant, Geoffrey, ce qui est arrivé. Alors, père, est-ce qu'on a aperçu mon mari quelque part? Ça me paraît inquiétant s'il te délaisse déjà. Oh, c'est qu'on le dirait, la femme. Oh, écoute, Reda, tu as vu Charles? Eh bien, tu le trouveras rapidement, toi. Tu as entendu? Ramène Charles, allez, hop. J'ai cherché partout, Mary, mais je n'ai pu le trouver. Bon, je commence à me faire du mauvais sang, petit lait. Vraiment, chérie? Pourquoi, mon Dieu? Vous avez changé de costume. Et vous, il est temps d'y penser. Nous devons maintenant partir en voyage de noces, il me semble, chérie. Je vais m'apprêter. C'est vous qui êtes en train de remonter l'horloge. Nullement, je ne fais qu'en nettoyer l'entourage. Splendide pièce, ça. D'en bas, on la voit en raccourci et pas très bien. Oui, je m'appelle Wilson. Et moi, Longstreet. Noah Longstreet. Eh bien, très heureux. Monsieur Wilson. Oh, c'est une chose rare dans un pays aussi neuf que l'Amérique. Elle date du XVIe siècle, ça c'est certain, et je crois qu'elle est probablement d'Abrège, de Strasbourg. Et je fais terreur. Oh, ça, je ne vous le dirai pas. Mais il y a ici quelqu'un de très calé. De tellement calé? Oui, mon beau-frère. Il est en ce moment en voyage de noces, mais il révisera le mécanisme à son retour. Oh, c'est un expert? Presque. En fait, c'est la marotte de cet homme-là, monsieur. Ah, tiens, je crois que je suis comme lui. Il est en voyage? Oui. ainsi que ma sœur. Mais les examens vont les forcer certainement à revenir bientôt. Pourquoi? Il enseigne l'histoire et le latin à l'école. Ah, oui. Il s'appelle Rankin. Ah. Tu la traites de faire voir tout ceci à un amateur qui devine si vite que la pièce est signée Revers, mais franchement, ma spécialité est la poterie. Ah oui, la poterie. Certes, Revers, à mon avis, abuse fréquemment du style pompeux et de petits détails qui nuisent, je crois, à la pureté des formes. Mais à part ces quelques défauts, c'est un grand maître dont le travail mérite le respect. Non, bonjour, je suis contente. Alors, tu es de retour, chérie. Monsieur Wilson, ma fille Mary. Oh, très heureux. Bonjour, aussi. Charles Rankin. Très heureux aussi. Et pardonnez-moi de venir importuner de jeunes mariés. Oh. Bonsoir, Mary. Jeff, comment allez-vous? Très bien, et notre petite Mary, toujours aussi jolie. Bonne minute. Ah, bonjour, Rankin, ça va? Si vous restez là, le dîner sera trop cuit. À table, alors. Alors, ma chérie, la montagne était belle? Oh, vraiment splendide, merveilleuse. Alors, asseyez-vous. Monsieur Wilson doit venir ici, à ma droite. Jeff connaît sa place. Et toi, mets-toi ici, chérie. Oh, je veux dire à tous sans tarder que Charles est un champion de ski magnifique. Oh, si, chérie, tu l'es. Je m'en tire sans trop de dégâts pour une débutante. Mais as-tu pensé à tirer tes skis bien droit? Oh, ce n'est pas toi que ça regarde, ça. Monsieur Wilson est en train de compiler un catalogue des pièces d'argenterie de Revers. Ah, vraiment? Monsieur Wilson est aussi très calé sur les horloges. Les horloges? Mais c'est la marotte de Charles. C'est ce que votre frère m'a déjà révélé. J'ai su ainsi que vous alliez réviser celle du clocher, une œuvre d'art. Oh, enfin, j'essaierai. Ce sera une entreprise délicate. J'espère, car je suis une affreuse femme, qu'il n'arrivera jamais à le faire. J'adore Harper comme il est, avec son horloge qui sonne en désordre. Êtes-vous arrivé ici depuis longtemps, monsieur Wilson? Oh, ça fait... depuis l'autre vendredi, oui, c'est ça, le 16. Non, le 15, certainement, car je vous ai pensé le vendredi 16. Mais au fait, et cette tête? Elle va on ne peut mieux, grâce à vos soins, docteur. Vous vous êtes cogné le jeudi 15, rappelez-vous, c'était le jour du mariage. Mais ma foi, c'est exact. Mercredi, j'arrivais de Bangor. Vous vous êtes blessé, monsieur? Oh non, rien de sérieux. C'est courageux de dire ça, vous deviez être assez groggy d'une pareille commotion. Voilà ce que c'est quand de recevoir une porte en pleine figure. Ton chien est bien heureux de te revoir, ma chérie. Pendant ton absence, il était inconsolable. Bon chien, il sera enfin récompensé. Il l'a bien mérité, je pense. Tiens, Red. C'est bon, ça. Quelle nouvelle du meeting? Oh, ces gens-là paraissent vendus à l'étranger, tous. J'ai lu un reportage ce matin. De Standish, je sais. C'est du pur roman. En 1930, c'est comme ça que nous parlions, Noah. Standish? C'est le correspondant du Times à Berlin. Bien sûr, il ne fait que signaler de vagues rumeurs. Jeunes Allemands qui font l'exercice la nuit, rendez-vous souterrains, réunions à la fois secrètes, paganes et rituelles. Vous pensez que c'est vrai, père? Je pense que c'est très possible. Et moi, je juge tout ça assez ridicule. Oui, j'admets bien quelques fanatiques, mais tout Allemand intelligent a pris la guerre en aversion, forcément. Vous connaissez l'Allemagne, monsieur Rankin? J'avoue que j'arrive à me faire de féroces ennemis chaque fois que j'aborde cette question, monsieur. C'est pourquoi j'aime mieux me taire. Oh, nullement, nous entendrons ainsi l'objective opinion d'un très objectif historien. Historien? C'est un psychiatre qui sonderait le mieux ce mystère. L'Allemand actuel se prétend maintenant l'innocente victime de l'envie jointe injustement à la haine. Il pense que le monde entier conspire contre sa grandeur, que des peuples inférieurs à lui le couvrent de boue. Pour estimer qu'Hitler s'est trompé, qu'il a mal agi, vous ne trouverez aucun Allemand. Nous tenions tous à ignorer l'Éthiopie et l'Espagne. Mais ensuite, les nombreux morts de la guerre nous ont enseigné le prix exorbitant de notre aveuglement. Tout individu sincère voit le fond des choses, mesure l'abîme qui s'était ouvert. Tandis que l'Allemand, écrasé, vaincu, suit encore la vision de ces dieux guerriers. Exalté par la musique de Wagner, il chevauche en esprit avec les Valkyries et reforge l'épée de Siegfried. Et dans ces assemblées secrètes et pleines de mystères dont vous doutez, revit enfin l'espoir de mettre le monde au pied de l'Allemagne. Il est là, dans sa toute-puissance, revêtu d'une armure de fer sous la bannière des chevaliers teutoniques. L'humanité souffrante appelle un messie, mais pour l'Allemand, le messie n'est pas un angélique prince de la paix. C'est un autre Bismarck. Un autre Hitler. Mais alors, est-ce que vous ne croyez pas aux grandes réformes qu'on s'efforce d'appliquer en Allemagne? Certes non, mais réfléchissez donc qu'elles ne sont que contraintes. Or, chaque peuple a fait ses réformes par sa propre volonté. Jamais les principes qui nous sont sacrés n'ont germé ou fructifié ou seulement pris racine en Allemagne. La volonté d'être libre a été énoncée dans toutes les langues du monde. All men are created equal, ou liberté, égalité, fraternité, mais chez les Allemands... Et Marx, prolétaires, unissez-vous, vous n'avez d'autre chose à perdre que vos chaînes. Karl Marx n'est pas un Allemand, mais un vulgaire juif. Alors, mon cher Charles, si nous devons admettre vos arguments, il n'y a aucune solution. Moi aussi, je connais un excellent remède. Oui, mais lequel? L'annihilation. Sans un seul survivant pour s'en plaindre. Oh, qu'est-ce qui exigerait que l'Allemagne ait une fin aussi carthaginoise, mon chéri? En tant qu'historien, je te rappelle que grâce à Scipion Émilien, le monde n'a plus de désagrément avec Carthage depuis 20 siècles déjà. Ça, c'est le pédagogue qui parle. Oh, à propos de professeur, monsieur Wilson. Oui, oui. Ils viendront chez moi prendre le thé jeudi. Vous feriez plaisir à tous en vous joignant à nous ce jour-là. J'en serais très heureux, mais ma besogne est finie ici. Et je m'en vais dès demain, chère madame. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Monsieur Wilson a aussi une passion pour les horloges. Oui. Tiens. Eh bien, Red, tu as déménagé, que dis-tu de ton logis? On voit qu'il l'aime bien, hein? Dis donc, Red, si on allait faire un tour. Oh, chérie, tu sais, il faut juste le mettre dehors sans prendre la peine de le sortir. C'est parce que j'ai envie de respirer. Alors, viens, Red. Alors, où sont vos progrès? Que comptez-vous faire? J'irai demain à Washington. Vous aviez raison au sujet de M. Rankin. Nous n'avons plus de soupçons à conserver sur lui? Ah, pas le moindre soupçon. Donnez-moi l'inter. Je vais à Washington. Voyons, sauf un nazi, qui dirait que Karl Marx n'est pas un Allemand, mais un vulgaire juif. Je reste ici quelque temps encore, ça vaudra mieux. Excuse-moi, je rêvais. J'ai fait un cauchemar. Je rêvais de cet homme maigre. Mais quel homme maigre? Je te l'ai déjà dit, un individu très pâle. Et qui est venu ici le jour de notre mariage. Allume-moi une cigarette, chérie. Je n'ai jamais eu de cauchemar comme ça, tu sais. C'est affreux ce que j'ai eu peur. Merci. Cette espèce d'individu marchait sans faire un pas. Et il glissait d'une rue déserte à un square. Son ombre à chaque mouvement s'incrustaient dans le sol. De ce fait, il y en avait plusieurs milliers, Charles. Alors l'une d'elles est venue s'étendre près de moi et s'est changée en tapis. Cherche qui est cet homme rabougri. Dors, tu es fatigué. Oui, je vais dormir. Éteins ma cigarette. Mais que se passe-t-il? Mais on dirait que c'est raide, Charles. Oh, pourquoi boit-il? Parce que moi, je l'ai mis dans le cellier. Oh, je comprends que ce chien hurle dans ce cas. Car jamais il n'a été mis en cage. S'il doit vivre avec nous, il faut le dresser. La nuit, je le ferai dormir dans le cellier. Le jour, il restera attaché, il ne devra sortir que tenu en laisse. Charles, on ne traite pas les chiens comme on traite des prisonniers. Arrête, est à moi. Pardon, Mary. Laisse-moi faire. Voilà, Red. Je croyais que tu habitais maintenant avec ta maîtresse. Mary nous l'a ramené parce qu'il hurlait toute la nuit. Tiens, ça va la pêche aujourd'hui, par ici? Ça mord assez bien. Voulez-vous venir avec moi? J'ai bien peur de ne pas être en tenue de pêche. Mais la promenade me fait envie et je vous remercie. Oh, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Un peu de chocolat? Oui, je l'aime beaucoup, cette marque-là, surtout. On dit votre père excellent pêcheur. Lui, oh, c'est un as. Il fait des pêches fantastiques. Vraiment? Et Charles? Charles? Oh, c'est que je dois dire Monsieur Rankin à l'école. Alors ça me semble un peu drôle. Il passe son temps à tripoter l'horloge. Pourquoi n'aimez-vous pas Charles? Pourquoi, mais si? Je sens qu'il vous fait horreur. J'ai l'air de ne pas avoir de tact, mais cependant, j'ai besoin de savoir pourquoi. Mais, quelle drôle d'idée, je n'ai pas de raison. Mary l'adore, il paraît heureuse. Parlez-moi franchement, Noah, car mes questions sont dénuées de vaine curiosité. J'agis par métier. Certes, ça me désole de vous causer des soucis, mais vous êtes le seul de qui je sois sûr. Sachez que j'ai besoin de votre aide. De quoi s'agit-il? Votre sœur me paraît menacée de bien graves déboires. Et je sais que pour la protéger, vous feriez tout ce que je vous demanderai. Écoutez ceci. Je ne suis pas antiquaire, Noah. À vrai dire, je suis détective. Mais vous avez besoin de moi, et pourquoi? Il faudrait m'aider à savoir ce qu'a vraiment fait Charles Rankin après sa classe, le jour du mariage, et avant la cérémonie. Volontiers, seulement je crains que Charles, qui est intelligent, ne vienne à dîner. Je l'occuperai, ne craignez rien. Monsieur Wilson, vous devez faire erreur. Mary, je vous le jure, n'a pu s'éprendre d'un être vil. Mais non. Ça, je l'espère pour elle, mais on sait bien, hélas, et depuis fort longtemps, que l'amour est aveugle. Bonsoir. Ça va, monsieur Wilson? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Wilson. Ça fait 85 cents. On prétend qu'en compagnie du professeur Rankin, vous allez nous réparer l'horloge? On essaiera. Mais sonnera-t-elle exactement? Mmh. Est-ce qu'enfin l'ange tournera autour du vieux Beffroi? C'est un homme ou une femme, cet ange-là, monsieur Wilson? Ça, je l'ignore. Vous savez, si les anges étaient femmes, ils seraient plutôt des démons, j'ai idée. Hein? Est-ce que vous abdiquez? Oh non, je vais continuer au contraire. C'est tellement palpitant de jouer aux dames avec vous. Oh, mais au fait, est-ce que monsieur Rankin est venu ici faire ses achats pour s'en souper? Non, mais... Généralement, il vient environ à cette heure-ci. Oui, je sais. C'est sa classe qui retarde. Mmh. Et notre homme n'a jamais repris la valise qu'il a laissée ici? Non. C'est étrange. Ça, c'est sûr. Mmh. Des fois, j'ai envie de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. Elle n'a pas de clé. Il me semble qu'étant donné les circonstances, vous avez parfaitement le droit. Oui. Oh, il faudrait que ce soit devant témoin, alors. Non, je ne puisse pas ça. Ah, c'est exact. Alors, on va regarder tous les deux s'il y a des choses étranges dans les affaires de cet étranger. C'est peut-être un explosif. Du linge sale, un sweater, ici du savon et un rasoir enveloppé dans un linge avec SS Cristobal marqué en rouge, et là, cette paire de chaussures. Oui. Oui. Des livres religieux, une Bible et c'est tout. Bonsoir, monsieur Wilson. Comment allez-vous ce soir? Très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rankin. Figurez-vous que monsieur Potter et moi, nous venons de nous mêler de quelque chose qui ne nous regarde pas. Cette valise a été laissée ici par un homme qui n'est jamais revenu la chercher. Mais ça fait plus de 2 semaines déjà. A-t-il dit pourquoi il venait à Harper? Non, tout ce qu'il a fait, c'est de potasser l'annuaire du téléphone. Sans téléphoner d'ailleurs. Il avait une drôle de dégaine. Un petit bonhomme maigrichon, avec des yeux bleus, au regard fixe. Il marchait d'une drôle de façon, comme s'il allait tout le temps se mettre à courir. Est-ce qu'il avait un accent étranger? Eh bien oui. En fait, non, pas un accent exactement, mais une drôle de manière de dire certains mots. Si vous savez ce détail, vous connaissiez cet homme-là, Mrs. Rankin? Pourquoi? Mais non. En disant cela, j'essayais au hasard de compléter votre mystérieuse histoire. C'est logique. Les étrangers ont tous un accent. Mary, as-tu vu Ray? Mais non. Tu sais, Noah, je ne l'ai pas revu depuis qu'il est à toi. Il passe tout son temps à fureter dans le bois et ne rentre même plus pour les repas. Je croyais qu'il ne se sauvait jamais, chien. Jamais. C'est bien pour ça que Noah est inquiet. Bien, Mary. Alors, bonsoir, monsieur Wilson. Bonne nuit. Bonsoir, Noah. Bonsoir, Mary. Avez-vous trouvé des indices, déjà? Meinike s'est bien rendu chez Rankin, ça c'est sûr. Votre sœur l'y a accueilli. C'est Mary qui vous l'a dit? Elle allait le dire. Mary est une chic femme, Noah. Mais il faut qu'elle puisse voir de quelle espèce est l'homme qu'elle a épousé. Je connais Mary. Elle ne voudra rien entendre dire contre cet homme. Elle ne nous croira pas. Noah, nous devons l'amener à voir d'elle-même toute la vérité. Vous entendez? Une chose est certaine, elle ne sait rien encore, rien du tout. Excepté que Charles l'empêche d'avouer qu'elle a vu cet homme inconnu chez lui. Ah, je donnerais bien 20 dollars pour savoir l'explication qu'ils veulent lui fournir en rentrant. Elle faisait ses études à Genève et moi aussi. Le soir, avant mon départ, j'ai eu l'envie de faire un tour sur le lac. Nous rentrions. Quand elle me dit que si je ne l'épousais pas, elle se jetterait sous mes yeux dans l'eau. Oh, j'ai cru qu'elle voulait rire. C'est naturel. Eh bien, non. Subitement, elle se dressa. J'étais à l'autre bout de la barque. Et... hélas, j'ai plongé après elle. Mais il était déjà trop tard, elle était morte. Une seule personne savait que nous étions ensemble sur le lac. Son frère. Il savait parfaitement que je ne l'avais pas tué. Mais il ne voulut accepter officiellement la thèse de l'accident que que contre compensation. Je lui ai donné jusqu'à mon dernier franc et j'ai quitté la Suisse. Au fur et à mesure que les années s'écoulaient, je me persuadais que ce tragique passé était mort à jamais. Et puis, le jour de notre mariage, Mary, ce frère a reparu. Il a fait du chantage. Il m'a menacé de faire un scandale à l'église. Je lui pliais encore. Je lui ai donné tout l'argent que j'avais. Et il est reparti. Oh, chérie, tu aurais dû te venir. Au lieu de garder ainsi, en toi seul, cet horrible secret. Oh, Mary, oh, mon amour, tu es bonne. Charles. Comme je t'aime, Mary. Oh, Charles. Mais pourquoi n'a-t-il pas repris son linge? Ah, ça... Il était supposé qu'ayant de l'argent, il avait résolu s'offrir mieux que ça. Chérie, je me sens très nerveux et j'ai envie d'aller travailler à l'horloge. Mais tout seul, ça me calmera. Tu me comprends, n'est-ce pas? Bien sûr que je te comprends. Je t'aime. Je dis que je te ramène à la maison. Non, non, chérie, ce n'est pas la peine. Mais il se fait tard. Rien à craindre. Harper est un coin tellement tranquille. Cher amour. Pauvre Red. Il a reconnu ma voix, certainement. Seulement, il agonisait déjà. Je pense qu'il avait dû ramper pour venir près de nous et y mourir. Mais de quoi, ça, je n'en sais rien. Allons élucider ce mystère. Ces chiens du jeune Longstreet sont raides. On dirait qu'il est crevé. Oui. Noah va voir le docteur Lawrence. Étiez-vous au courant de ça? Ben, c'est curieux, n'est-ce pas, hein? Bonjour. Non, non. Vous me devez 5 cents. Merci, monsieur Rankin. Docteur, est-ce que ce chien a survécu longtemps à l'absorption du toxique? Oh, au plus 1 minute ou 2, et encore. Eh bien, l'homme qui a empoisonné ce brave chien l'a fait pas très loin du lieu où vous venez de le trouver, Noah. Red, dans les derniers mètres, a dû se traîner. Avec de plus en plus de difficultés et de lenteur, sans doute. Alors, merci beaucoup, docteur. Merci, Jeff. Monsieur Peabody, rentrez les journaux. Et que ça soit vite fait. Bon, attendez, monsieur Potter. Allons, plus vite. Ah, un peu plus de nerfs que ça. Oui, monsieur Potter. Ah, bonsoir, monsieur Wilson. Et bonsoir, Noah, bonsoir. Mais il n'y a aucune loi qui punisse un tel meurtre. Tuer cette bête tendre et aimante, c'est exactement un assassinat. Les pattes de devant sont boueuses, et non celles de derrière. Il y a des feuilles mêlées avec la boue. À mon avis, Red était en train de fouiner dans les bois. Oui, c'est certain, mais pourquoi le faisait-il? Pour chercher les restes. Une ménique. Ah, le heurton. Alors... Un peu plus, j'étais parti. Il n'est pas l'heure. Oh, je sais, seulement je ferme plus tôt. Bon. Pourquoi? Je dois rejoindre des chercheurs. Au fait, que vouliez-vous de lui, la machine? Mais quel chercheur? Eh bien, les types qui cherchent le corps. La police a chargé de ça la moitié de la ville. Tendez la main et prenez l'huile. On n'apprend aucune nouvelle dans le haut du clocher. Expliquez-moi, quel corps cherche la police? Eh bien, de ce type qui a déposé sa valise ici. Ce petit rabougri, un air miteux et triste. Oh, ça se voyait qu'il finirait mal, d'ailleurs. Alors, pour 1000, ça fait 15 cents. On me paierait un autre jour. Ah, tu es là. Sarah vient de m'en avertir. Tu fais nos valises. Nous allons partir? Nous ne partons pas, ma chérie. Je pars. Mais que dis-tu, Charles? Généralement, les hommes quittent leurs femmes parce qu'ils ne l'aiment plus. Je suis forcé de fuir parce que je t'adore. Tu n'auras aucune objection quand tu sauras quel homme est ton mari. Mais tu es l'homme que j'ai épousé, cela seul importe. Chérie, devant Dieu, j'ai juré d'être ta femme dans la peine et le bonheur. Et même, si tu apprenais que j'ai tué Red. Mon Dieu, c'est fou. C'était par accident. Non, je l'ai fait à dessein. Le meurtre est un engrenage, Mary. Une chaîne dont chaque chaînon en entraîne un autre identique. Red avait senti et creusé la tombe de l'homme que j'ai assassiné. Ce petit homme qui hantait tes cauchemars. Toi, un meurtrier. Oui, je l'ai assassiné. De ces mains qui t'ont souvent serré tout contre moi. Alors tu sais maintenant pourquoi je dois partir? Oh, pourquoi? Pourquoi l'as-tu tué? Il savait fort bien, chérie, que ton père est riche. Et il avait fait le projet d'un chantage en règle dont il m'a cyniquement rendu compte. Il était bien persuadé que le juge Longstreet n'hésiterait pas à protéger sa fille contre un scandale en payant quelques milliers de dollars. Oh, Mary, mais j'aurais dû fuir, c'est vrai, aller me cacher afin qu'il ne puisse retrouver nulle part ma trace, mais voilà. J'étais sûrement de perdre, et je n'ai pas fui. Chérie, si tu veux fuir, alors je fuirai aussi. Tu le ferais, toi, si j'étais dans pareil cas. Tu me suivrais, c'est certain. Charles, voyons quels étaient tes liens avec cet homme-là. Il n'en avait aucun. Tu es seule à savoir que je l'ai connu. Donc tu n'as pas à avoir de crainte. S'il faut me taire, chérie, compte sur moi. Mais Mary, réfléchis si tu te tais. De ce fait, tu prends part au crime. Je fais partie de ce crime déjà, et tu le sais, puisque je fais partie de toi. Moi, Landru, tu tressailles quand cette main touche ta peau. Est-ce que tu sens la mort à son contact? C'est nerveux. Oh, serre-moi tout proche, serre-moi, Charles. Monsieur Peabody, rentrez en ville, rentrez avec le shérif et mettez-vous à son service. Attendez. Je leur ai parié que c'était le même type. Il est changé, quand même. Oui, et c'est le fait d'être enterré sans cercueil. Ah, bonsoir, monsieur Wilson. Bonsoir. Bonsoir, Noah. Ça va? Oui, ça va, monsieur Potter. Comment faire au sujet de Mary? Je voudrais enfin l'arracher de ses mains, monsieur Wilson. Oui, il faut qu'elle saisisse le néant des fables qu'il a dû raconter sur l'affaire Meinike. À mon avis, Noah, c'est que votre sœur doit apprendre tout. Charles, je serais forcé de voir le cadavre. Oh, est-ce qu'ils l'exigeront? Parce que j'en suis hors d'état. Enfin, j'en ai l'intuition. Je n'ai jamais vu encore de mort, tu sais. Combien de gens as-tu habité à Mary? 27 en tout, chérie. Vous allez tourner de l'œil encore. Vous n'avez pas déjeuné, Miss Mary. 27, mais c'est trop pour toi et Sarah. Non, je vais m'arranger. Oh, mais en supposant que je... Que tu quoi? Oh, je n'en sais rien. Je sais uniquement que j'ai peur de voir du monde et d'être vue ce soir. Mary, domine tes nerfs, tu entends? Si tu veux en sortir, tu dois savoir ce qu'il faut faire et dire devant les gens et en toutes circonstances. Et de plus, il faut que tu paraisses naturel tout le temps. Chérie, d'ailleurs, écoute bien. Mary. Ce serait mieux peut-être que j'aille à la police. Votre père vous appelle au téléphone, Miss Mary. Oui, merci, Sarah. Allô? Mais oui, je crois. Attendez une minute, père. Il veut me voir immédiatement. Ah, et moi aussi? Non, il me dit de venir seul. Rien d'étonnant à ce qu'il ait envie de voir sans intrus un être cher. Est-ce que ça? Non. Alors c'est ça, je viens immédiatement. Tu ne trouves pas que c'est étrange? Étrange? Non, non. Étrange? Oh non, pas le moins du monde. C'est ce que je vais faire. Je vais aller à l'église, m'occuper de l'horloge pendant ce temps-là. Et toi, en rentrant, tu viendras me chercher. Ça m'effraie. Il a tellement appuyé sur le fait qu'il désirait me voir seule, et sa voix était si différente. C'est ce qu'il faut lui dire, en tout cas. Entre, Mary. Alors, père, qu'y a-t-il donc? Monsieur Wilson est ici pour une question très sérieuse, une affaire importante, et nous devons l'aider dans sa tâche. Oui, oui, je vous écoute. Parlez, monsieur Wilson. Nous avons parlé en ville du cadavre découvert hier, Mrs. Rankin. Oui. Est-ce que vous aviez déjà vu cet homme? Non, non, je n'ai jamais vu cet homme. On vous a montré le corps? Non. Par conséquent, comment êtes-vous sûr de ne l'avoir jamais vu? Oui, au fond, je n'en suis pas certaine, mais... Monsieur Wilson, vous semblez me soupçonner. Et de quoi? De cacher un meurtrier. Peut-être que cette photographie va rafraîchir votre mémoire. Reconnaissez-vous cet homme? C'est Konrad Meinike, commandant en chef de l'un des plus affreux camps de concentration. Et cet homme, vous l'avez vu. Oui, ici même, à Harper. Non, non, mais non, jamais, jamais, monsieur Wilson. Monsieur Longstreet, voudriez-vous éteindre l'électricité? Je viens de faire voir à votre père quelques films qu'il est urgent que vous voyiez aussi. Je suis membre de la commission alliée pour la punition des criminels de guerre. J'ai comme mission de reprendre les pires nazis échappés à la justice. Et c'est le seul but qui m'est amené à Harper. Oh, est-ce que vous croyez? Oh, monsieur Wilson, c'est fou, voyons. Je vous affirme que je ne connais aucun nazi. Oui, vous pensez ne pas en connaître, et qui sait? Ils ont l'air d'être comme tout le monde. Et ils agissent tout simplement, maintenant qu'ils sont obligés de se cacher. Regardez bien, Mrs. Rankin. Ceci est une chambre à gaz. Des millions d'innocents, de femmes, de vieillards, d'enfants ont péri grâce à cette invention née dans un cerveau démoniaque. Et ceci, c'est une fosse à chaud, dans laquelle des centaines d'êtres humains ont été jetés vivants. Pourquoi me faire voir toutes ces horreurs? Je compte vous le dire. Ce que vous voyez là est l'œuvre d'un seul homme. L'œuvre d'un monstre qui s'appelait Franz Kindler. Franz Kindler? Oui, l'un des plus brillants esprits parmi la jeunesse intellectuelle du parti nazi. C'est Kindler qui a conçu la théorie de l'anéantissement en masse des races non germaniques. Et il a mis sa théorie en pratique dans l'Est de l'Europe afin que les pertes de vie allemandes fussent compensées par l'affaiblissement de la race slave et la destruction de la race juive. Au contraire de Goebbels, d'Himmler et d'un tas de brutes infâmes, Kindler a une passion pour l'anonymat. On ne publiait en aucun cas de photos de cet homme. On l'ignorait. Et au moment de disparaître, il détruisit avec ordre les moindres traces de son affreux passé, jusqu'à ses empreintes digitales qui ont disparu. Rien ne subsiste de ce qui pourrait prouver l'identité de Franz Kindler. Rien, sauf un certain détail. Il a une passion qui est presque poussée à la manie. Les horloges. Est-ce si rare? Je ne pense pas. Vous, vous êtes assis. Je n'ai pas fini. Écoutez la suite, Mrs. Rankin. Dans une prison, en Tchécoslovaquie, il y avait un homme qui se trouvait à la veille de son exécution. Cet homme-là s'appelait Meinike. Autrefois, il avait été l'homme de main de Franz Kindler. Ses victimes étaient jetées vivantes dans le four crématoire. Ses vêtements eux-mêmes sentaient la chair brûlée. Mais nous l'avons fait fuir en pensant qu'il nous amènerait près de Kindler. Je l'ai suivi ici, Mrs. Rankin. Et ici, les traces de cet homme ont cessé d'exister. Votre chien Red fut seul capable de les retrouver. Et aujourd'hui que Meinike est mort et enterré, dans le monde entier, une seule personne doit identifier Franz Kindler. C'est une personne qui a parlé avec Meinike le jour de son arrivée à Harper. Et qui sait de façon certaine l'homme qu'il désirait voir en venant ici. Non, ce n'est pas un nazi. Mon Charles n'est pas un nazi. Vous étiez chez Rankin à 4 heures après-midi le jour de votre mariage. Chez Rankin, ici. Ah oui, oui. Et quelqu'un est venu le voir. Non, certainement pas. Ah si, le grand galet, rappelez-vous, il n'y a que 15 jours de ça. Vous pendiez de nouveaux rideaux, croyez-vous. Ah non, qu'un homme. Avez-vous été seul tout le temps? Non. Voyons, qui est venu là? Charles. Après sa dernière classe. Et nous sommes restés ensemble plus d'une heure. Monsieur Wilson, vous n'avez rien qui puisse identifier mon mari avec ce Kindler, excepté un soupçon. Un ridicule soupçon. Vous essayez de le perdre en me forçant à mentir. Vous n'arriverez pas à ça. Oh, cette ruse est indigne. Oh, indigne. Oh. Mary, Mary. Reste là, voyons. Mary, ma chérie. Ah. Allons, calme-toi. Voyons, tu n'ignores pas que pour moi, l'unique joie ici-bas, c'est de voir Noah et toi totalement heureux. Ah, je sais, oui. Oui, je le sais. Nous devons envisager les faits avec honnêteté, chérie. Sois sincère, car ton bonheur peut dépendre, et pour toujours, de ce que révélera la vérité. Si M. Wilson a raison, que sans le savoir, tu aies épousé un criminel, eh bien, le sacrement est nul, et tu ne dois rien à Charles Rankin, ne t'entends rien sa femme. Il est beau. Il a du cœur, il ne ferait aucun mal à personne, sauf pour défendre ce qu'il aime. Il a du cœur. La vérité ne lui nuira en rien, en ce cas. Il n'était pas avec toi ce jour-là, après son cours, chérie. Et je me rappelle que tu l'as dit en revenant à la maison. Oh, vous êtes contre Charles, vous aussi. Et je m'en doutais. Vous l'avez détesté dès le premier jour. Il serait bien satisfait que ce Wilson ait raison. Eh bien, non! Il n'a rien d'un nazi. Il est la droiture même. Adieu, laissez-nous tranquilles. Je lui ai dit les faits, mais elle refuse de les accepter. Ils sont trop terribles pour qu'elle reconnaisse. Non seulement Rankin est peut-être Kindler, mais qu'elle a aimé d'un pareil amour une telle créature. Mais nous avons un allié, son subconscient. Il sait la vérité, lui, et avec ténacité cherche à se faire entendre. Et le besoin de savoir sera en elle tellement intense qu'elle s'y soumettra. Écoutez, Wilson, s'il n'est pas Charles Rankin, on doit pouvoir le démasquer maintenant sans trop de difficultés. J'ai peu d'intérêt à prouver qu'il n'est en rien Charles Rankin, j'ai beaucoup d'intérêt à prouver qu'il est Franz Kindler. Quel est votre plan pour y réussir? J'en ai un excellent, qui doit aboutir grâce à votre fille. Car j'en jurerai, elle est tout près d'un effondrement nerveux. Rankin va s'en rendre compte et là-dessus, j'ai fondé mon action. Que voulez-vous dire? En aucun cas, il ne suffira à quelqu'un qui a perdu la maîtrise de soi et qu'il lui faudra trouver une issue. Avant que Mary ne perde pied, il peut s'enfuir, avant ainsi son crime et son passé. Ou il peut la tuer. Vous êtes choqué de ma tranquillité. Ça, c'est tout naturel, vous êtes son père. Mais c'est parce que vous êtes son père, juge Longstreet, qu'il est capital de vous éclairer. Rassurez-vous, je ferai tout pour prévenir le meurtre. Et cependant, votre fille ne pourrait être mieux persuadée de sa culpabilité que si elle avait la preuve de son intention de la tuer. Charles! Tu entends? Elle sonne. Que voulait ton père, chérie? Comme je m'y attendais, me tendre un piège avec ce monsieur Wilson, qui a essayé de me dire que tu étais nazi. Comme si je pouvais croire ça. Comme si tu pouvais être réellement un nazi en fuite. Mais c'est qu'il se croit malin, ce Wilson. Son idée, vois-tu, c'était de me terroriser et de me faire parler de l'avorton. Oui, il dit que je suis qui, moi? Un nazi. Franz Kindler. Il a inventé tout ça pour que je parle. Mais je n'ai rien dit à Père, je n'ai rien dit à Wilson. Ils sont les dindons de la farce. Moi, je te la fie en charge. C'est tellement simple de leur prouver que tu n'es en rien. Ce sale nazi. Nous trouverons un de tes camarades de collège qui t'identifiera. Et ça n'ira pas plus loin. Oui, si tu te tais, si ce que tu dis est vrai, il ne pourra rien. Je suis en sûreté. Oh, ça, sois tranquille. C'est promis, ils inventeront toutes les tortures morales qu'ils voudront, je me tairai. Bon donc, le carillon a réveillé les gens d'Harper. Nous devons descendre les accueillir. Toi, sois très naturel. Comprends-tu? Il faut sourire sans cesse. Es-tu tranquille? Oui, et je vais tenir tête à tous, chérie. Je vais sembler calme et tranquille. Et puis, quand l'heure a sonné, l'ange a marché. Je l'ai vu sortir du beffroi et tourner. Quel beau résultat, je le dis sincèrement, professeur. Ça, c'est du beau travail. Félicitations, monsieur Rankin. Le pasteur sera joliment content de ça. Ah, mais ce que je voudrais savoir, si ça sonne comme ça toute la nuit, comment fera-t-on pour dormir tranquille? Je veux paraître calme, chérie. Très calme. Ah, les poulets vont tous sauter au bas de leur perchoir chaque fois que l'ange va se promener, dites donc. Sarah, je t'avais bien dit, je crois, de tirer tous ces rideaux, car sans ça, le soleil inonde la pièce et ça fait passer les tentures. C'est très malsain et vous le savez bien, jamais on ne les tirait chez votre père. Et non, ça n'a rien à voir, c'est ma maison ici et j'ai agi à ma guise. Comme vous voudrez. Mais ça sera sinistre pour votre réception. Ah ça, tant pis, j'y tiens. Oh. Je pense à ce que cela a pu être d'ouvrir cette tombe, monsieur Randall. Ah, quelle oui, vision horrible de ce corps! Il y a des choses plus agréables à voir. Ah, voici Mary. Bonjour, chère Mary. Les pilules somnifères, quelle idée. Puis vous savez, ce qui est certain, c'est que j'aime pas faire les ordonnances. Elles sont pour Mrs. Rankin. $1, les pilules, d'accord. Pour les envelopper? Inutile. Les somnifères, j'y crois pas beaucoup. Je prétends, moi, que quand on a fait son boulot, dans la nuit, on roupille. Enfin, c'était ainsi du temps que l'horloge ne sonnait pas à chaque quart d'heure en réveillant. Mrs. Rankin... vous a commandé de la crème. Ah, la crème, oui. Oh, elle est déjà rendue, allez. Oui, je l'ai remise il y a bien une heure à des invités de la réception. Oui, à monsieur Wilson. Mrs. Rankin. Ma chère, je n'oserais plus mettre le pied hors de chez moi si Fred ne m'accompagne pas. Pensez donc, l'assassin peut être à l'affût de nouvelles victimes. On n'est même plus en sûreté chez soi. Ah, je me suis souvenu de votre gentille invitation. Est-ce que vous l'aviez oubliée déjà? Non, non, du tout, monsieur Wilson. Voyons, monsieur Potter a demandé que j'apporte ceci. Oh, c'est la crème, merci. Sarah l'attendait. Elle n'est pas tournée, j'espère. Mais je vous laisse, car on vous attend ailleurs. Excellent pour vous, monsieur Wilson. Cette potion-là, vous connaissez monsieur Ibar. Oh, oui, je suis enchanté de le revoir. Docteur... Dois-je passer les gâteaux? Oui, oui, Cécile. Oh, grand-mère, allons, encore un peu de thé. Oh, non, merci, je t'assure, chérie. Oui, monsieur Rankin. Oh, il arrivera sûrement bientôt. Je voudrais lui dire deux mots au sujet de l'horloge. Oui. J'adore votre robe, Mary. Moi, je l'ai achetée dans un magasin très bien. Il y a qu'un, juste doré, ou bien le vampire de Düsseldorf est français. Mais comment s'appelait-il donc déjà? Je n'en sais rien. Landru. Vous savez qu'il y a peut-être encore 10 ou 12 cadavres enterrés dans le bois. Quelle horreur. L'autopsie révèle que le meurtre a été commis il y a 3 semaines. Vous prenez encore un peu de thé? Non, rien du tout. J'avais pris encore un porto. Vous rappelez-vous ce qu'Emerson dit au sujet du crime? Ah, voici Rankin, il va savoir ça. Excusez mon retard. J'en suis navré, mais... Bonjour, oui, je vais lui demander. Ah, dites donc, monsieur Rankin. Bonjour, monsieur Wilson. Vous connaissez une citation? Mais de qui? D'Emerson. Laquelle? Commet un crime et la terre entière n'est plus qu'un miroir. Non, j'ignore. Commets un crime et la terre entière n'est plus qu'un miroir. Commets un crime. Commets un crime. Et il semble qu'une lourde neige vient recouvrir le sol, comme celle qui révèle dans les bois la trace de chaque perdrix, de chaque renard, de chaque écureuil, de chaque taupe. Tu chercheras en vain tes mots. Tu n'ôteras jamais la marque d'un pas tracé. Tu ne retireras pas l'échelle sans laisser une empreinte qui servira à te trahir. Voilà. Vous êtes monsieur Wilson, n'est-ce pas? Oui. Savez-vous que vous êtes le suspect numéro 1 dans notre affaire de meurtre? Oh. Je dirais même le seul suspect jusqu'à présent. Potter vous a dénoncé. Il prétend que vous avez commis le crime pour vous emparer de quelque quantité précieuse. Vous voulez du Porto, monsieur Wilson? Monsieur Rankin, pourquoi avez-vous réparé ce carillon? Harper était une ville si tranquille avant qu'il ne se mette à nous assourdir. Mary, que fait Wilson chez nous? Ça, je l'ignore. Tu l'as invité, bien entendu. Voyons que veut-il? Je n'en sais rien. Du sang-froid? Oui, je me sens très tranquille. Alors, rappelez-vous, vendredi, oui, Mary. Oui, c'est entendu. Au revoir, à bientôt. Bonsoir. Pourrais-je un peu t'aider? Non. Mary, Mary, Mary. Ça n'est rien. Ça n'est rien. Et puis, il s'est brisé, les perles sont tombées par terre. Alors il l'a emmenée là-haut. Mais quand je suis partie, elle sanglotait encore. Oui, je vois, les digues sont ouvertes maintenant. Son subconscient est le plus fort. Le moment est venu pour nous de savoir chaque mouvement qu'elle accomplira. Elle ne devra en aucun cas sortir sans que je sache où elle est allée. Si pour une raison quelconque je ne puisse être prévenu, empêchez-la de sortir, peu importe le prétexte. Vous entendez, Sarah? Soyez tranquille, elle ne me filera pas entre les doigts. Parce qu'en répandant ses perles, elle a signé son arrêt de mort. Nous tenons entre nos mains son existence. Chaque fois qu'elle passe près d'une chose qui pourrait tomber, qu'elle traverse une rue encombrée, elle prend une automobile, il y a à redouter sans cesse un accident grave. Et sa vie est en danger. Oh, je le jure, elle ne m'échappera pas. Alors maintenant, silence, messieurs. Aujourd'hui, nous tâcherons de voir la vaste influence en Europe de Friedrich der Grosse, König von Preußen, Kurfürst von Brandebourg, Prince von Polen. Frédéric le Grand pour vous. 765. 765 et 2 fois 6. Allô? Allô, Mary. Mary, ici Charles. Est-ce que tu m'entends? Chérie, je ne peux te parler très haut d'où je suis, mais il faut que tu entendes et que tu saisisses. Il vient d'arriver un fait assez grave et troublant. Et je veux que tu viennes dans le clocher au plus tôt, je t'y attendrai. C'est ça, tout en haut. Tu entends? Oui, c'est ça, j'entends, Charles. Et l'on parle à personne, que personne ne le sache. Wilson nous guette, il faut qu'il ignore que tu es là-haut. Je veux que tu laisses la voiture derrière l'église. Entre par la porte du cœur. D'accord? Au revoir. Peabody! Voilà. Empilez les autres par ici. Et puis remettez-vous au travail, nom d'un chien. Vous dormez, mon vieux. Asseyez cette fois. Voyez ça, monsieur Peabody. À vous de jouer, professeur. Vous sortez? Où allez-vous? Je vous demande où vous allez, Miss Mary. J'ai entendu. Répondez, alors. Sarah, tu oublies, je pense que ce n'est plus à une gosse, c'est à une femme mariée que tu parles. Vous n'êtes pas mariée depuis bien longtemps. Attendez, Mrs. Rankin. Je suis très pressée, tu sais. Oh, est-ce une raison pour répondre comme ça aux gens? Mais qu'as-tu, Sarah? Voilà, j'ai... Voyons, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le. Mais c'est sûr que vous êtes toutes drôles et si changées ces derniers temps. Vous ne me parliez pas comme ça chez Monsieur Longstreet, allons. Sarah, voyons. Je vois que mon service ne vaut plus celui que je faisais. J'ai plus la jeunesse, ça se comprend. Et que vous auriez préféré quelqu'un d'autre que moi. Quand tu finis de débiter de telles idioties. C'est sûr et certain. Mais je ferai ma malle dès que j'aurai fini d'écosser les haricots. Sarah, ça me désole de t'avoir causé sans le vouloir un chagrin pareil. Crois-moi, je t'assure. Sarah. Écoute, est-ce que tu sais à quel point nous tenons à toi, à tous, tant que nous sommes? Et moi, surtout. C'est vrai, Miss Mary. Tu me connais assez, Sarah et moi. Oh, Miss Mary. Oh. Sarah, maintenant, veux-tu m'écouter? Sarah, jure que jamais tu ne m'abandonneras. Je le jure, allez, je vous aime tant, voyez-vous. Oh, je le sais, grande belle. Dire que je vous ai vu naître et tant bercer chaque soir. Écoute, puis... Sarah, il faut que je sorte à l'instant. Il le faut vraiment, m'attend. Mais où et qui vous attend, Miss Mary? Écoute, je vais te dire, Sarah, c'est mon secret. Ah, mais... Ah, 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 ah. Oh, Sarah, mais que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu pareillement? Oh, je touffe, mais j'ai mal. Oh, je vais mourir, me quittez pas. Mon Dieu, je vais sûrement mourir. Ça ne fera rien, Sarah, mais non. Mon Dieu. Mais non. Ne me quittez pas, Miss Mary. Oui, je reste. Oh, 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 reste avec moi, Miss Mary. Ah oui, Sarah, oui. 1, 3, 5, vite. Oui, Mary? Oh, vite, Noah, je devais aller voir Charles dans le clocher tout de suite. Et rien à faire parce que je suis retenue ici. Veux-tu aller lui dire de ma part que je vais venir plus tard? Dis, Noah, n'en dis rien à personne, tu entends? Il faut qu'on l'ignore, c'est très important. D'accord. Le 37-25. Allô, puis-je parler, monsieur Wilson? Je sens qu'il neigera bientôt, monsieur Rankin. Oui, tiens. Mrs. Rand, Mrs. Lindström, vous travaillez trop tard à la bibliothèque. L'heure de la fermeture est passée. Mais, monsieur Rankin, nous avons fermé comme d'habitude à 3h30. Vous faites, vous avez raison. J'ai terminé ma classe 10 minutes plus tôt que de coutume aujourd'hui. Il est 3h44. C'est vrai, je viens de jouer aux dames avec Potter et j'ai oublié le reste. Quelle négligence, monsieur Rankin. Vous êtes le type parfait du professeur distrait. Chanceux aujourd'hui. Ouais. Oh, sûr et certain. Bonjour, monsieur Potter. Ça va ce soir, monsieur Hill? Monsieur Potter, je peux pas les retrouver. Quoi? Les cache-nez. Oh, là-bas, auprès des mitaines. Mais non, venez voir vous-même. Oh là là, je vais revenir dans une minute. Ah, vous voyez bien qu'ils sont dans ce carton-là. C'est ça? Ben, c'est bien sûr la dernière nouveauté. Et ils valent combien? 85 cents. C'est rudement cher. Ah, c'est comme ça cette année. Vous voulez jeter ça? Non, je vais le garder. Vous savez, Monsieur Potter, votre influence est néfaste, c'est certain. J'étais décidé à ne pas rester plus de 2 minutes chez vous et j'y ai perdu l'après-midi. Regardez-le. Ouais. Allons-y de la revanche. À vous de jouer. Ah, ça y est, professeur. La neige, je vous l'avais dit, et je vois juste. Regardez, professeur. À vous, professeur. Au revoir, monsieur Peter. Au revoir. Charles. Tu n'es pas allé à l'église? C'est à cause de Sarah. Sarah, mais pourquoi Sarah? Au moment où j'allais venir te voir, Sarah est tombée, prise d'une attaque. Et j'ai dû rester ici. Jeff dit que c'est nerveux, seulement qu'il ne faut pas la laisser seule, car elle s'affolerait. Qu'y a-t-il, Charles? Oui, absolument rien. Alors pourquoi voulais-tu que j'aille à l'église? Tu disais que c'était tellement important. Nullement important, je faisais erreur, c'est tout. Mon sens des proportions me trompe ces temps-ci. Je t'en prie, Charles, que se passe-t-il? Je commence à me ressentir un peu des circonstances. Mais tu sais, j'ai des moments de faiblesse, je crois. Écoute, je t'expliquerai ça plus tard. A-t-on découvert autre chose? On ne peut rien découvrir sauf si tu parles, toi. Entends-tu? Je n'ai vu personne aujourd'hui, je n'ai pas quitté la maison. Et ce soir, la rumeur court qu'on va arrêter quelqu'un demain. J'ai mal à la tête. C'est l'accident de tes pères hier, je t'ai senti privé de contrôle, égaré. J'ai peur que dans de pareilles conditions, ton père ne t'arrache un aveu. Non, cela n'arrivera pas. Qu'as-tu dit à Noah? Noah? À propos de quoi? Comment, tu ne l'as pas vu? Non, pourquoi l'aurais-je vu? Écoute, maintenant tu reviens du clocher. C'est un interrogatoire que je subis? Dieu, non, mais comme je n'ai pu quitter Sarah, j'ai envoyé Noah te trouver à l'horloge pour t'avertir que j'étais retenu ici. Putain, si tu gardes les secrets, toi! Voyons, à Noah! Appelle-le, appelle-le! Je ne peux pas, il y a une demi-heure que je... Allons, appelle-le! Parti! On retombera sur toi si je l'ai tué. Qu'est-ce que tu dis? Tu perdras sans toi, je vais. Va-tu être sain et sauf, tu m'entends? Sans toi. Toi qui as eu besoin d'aller ascenser des saleries dont justement sur là. Et c'est Noah! As-tu tué Noah? Oui, c'est ta faute, il est allé à l'horloge ici, il a gravi pour sa échelle. C'est moi, Charles, que tu comptais tuer, c'est moi, dis-le. Non, non. Tu voulais me tuer, c'est clair. Franz Kindler! Tue-moi. Ça vaudra mieux. J'ai honte d'être en vie après t'avoir aimé, honte de ce que j'ai fait sans le vouloir à toi. Tue-moi de loin, que tes sales mains ne me touchent à aucun prix. Tiens! Serre-toi de ça! Mary. Allô, donnez-moi la police, immédiatement. ça y est, j'ai bloqué les routes. Oui, j'ai mis des agents aussi à la gare et aux lisières des bois. Appelle Monsieur Wilson, je vais chercher la police. Monsieur Wilson! S'il est dans le clocher, notre tâche sera assez facile. Il faudrait arriver à le prendre vivant, c'est capital. Il s'est enfui, monsieur. Où? Sarah dit qu'elle l'ignore. L'horloge, sans doute. J'en sais rien. Si lui y est déjà, et si elle y arrive avant nous... Oh. Que faut-il faire? Allez, appelez la police et amenez tous les gens que vous pourrez. Où ça, monsieur Wilson? Oh, le clocher! Le clocher! Le clocher! Mais vous êtes blessé? Ce n'est rien, prends soin à votre sœur et faisons vite ou je ne réponds plus d'elle, Noah, vite! Je suis seule ici. Ton arme sera inutile. Pourquoi es-tu venue? Aide-moi à monter. Tu es seule? Tu ne mens pas? Voyons, ai-je l'air? On te suivait, je suis certain. Non, je suis venue par notre chemin. Par le cimetière et personne ne m'a vue. Charles, je tenais à te rejoindre et j'avais besoin d'un quelconque prétexte. Oui, que veux-tu? T'abattre, c'est tout. Non, non, Mary, c'est toi qui seras tuée. Cette échelle était sciée pour que tu en tombes. Et tu en tomberas. Alors qu'importe, je t'entraînerai avec moi. Tu es folle. Ils ont fouillé les bois, je les voyais d'ici. Tel qu'un dieu regardant de haut des insectes. Tu tomberas et ensuite j'irai me tirer. 2 jours d'attente et ils penseront que j'ai réussi à faire ici. Ils trouveront mon corps et sauront où te chercher. Imbécile. Tu crois ça, ils vont penser tous. En te voyant là, voilà une folle qui s'est levée sans bruit, qui est venue en cachette dans une tour déserte et de ce fait, elle s'est tuée en voulant gravir une échelle en pleine nuit. C'est vous, Kindler, qui voulez la tuer. Ça ne vous servirait à rien. Regardez par la fenêtre. Regardez. Oui, je connais ça. C'est un truc usé, monsieur Wilson. Trop usé, je vous le jure. Vous croyez? Il n'y a aucun truc là-dedans, Rankin. À quoi serait-il utile? Il peut m'arriver le pire, ça ne vous sauvera en rien. Vous êtes fini, Herr Franz Kindler. Les citoyens de Harper arrivent à vos trousses. Les petites gens simples et ordinaires dont vous vous moquiez tant, Franz Kindler, sont tous là et vous tremblez devant eux. Vous pouvez me tuer, tuer Mary et tuer même la moitié de ce peuple qui attend là. Rien n'arrêtera le châtiment. Vous écrasiez le monde, il s'est resserré sur vous jusqu'à n'être plus que Harper, qui se resserre à son tour et n'est plus que cette horloge maintenant, cette cage exiguë où vous êtes cerné. Ce que racontent les gens est inexact. J'ai vécu en soldat, je n'ai fait que suivre des ordres. Vous les avez donnés. J'ai agi selon ma conscience. Monsieur Wilson, ne me livrez pas aux gens de Harper. Je n'ai pas été criminel. Si, tu l'es. Mary et Sénesseau, laissez-moi vous aider. Non, 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 merci. Eh ben, qu'est-il arrivé? Victoire à Harper. Ah, je comprends rien du tout. Descendez! Oui, à la condition d'avoir une autre échelle. Avec ma jambe blessée et ma tête esquintée, je veux maintenant prendre à mon aise et me délasser. Je vais chercher une autre échelle, monsieur Wilson. Vous avez eu assez de tintouin. Au revoir, Mary. Faites de jolis rêves.